musique pour mieux ravir les spectateurs. Alexandra Shevchenko, 17 ans. Et c'est parti, musique de James Bond. Brice Alto arrière, corps carpé avec une extrême amplitude et beaucoup de précision à la réception. C'est l'école russe qui parle. Double vrille ennemi percuté, salto avant tendu. Triple vrille, quelle facilité! Ah, petit déséquilibre. Double arrière carpé pour terminer. Bravo. Bel exercice pour Shevchenko qui avait remporté la Coupe du Monde au sol à Glasgow, la Coupe du Monde de Glasgow, qui est une épreuve extrêmement relevée que l'on a rarement vue dans les grandes régions internationales, en tout cas en France. C'est l'école russe. C'est très vrai, mais très bel exercice au sol, beaucoup de précision sur le plan technique. C'était vraiment presque parfait. On a vu un tout petit déséquilibre à un moment donné dans la chorégraphie, mais regardez ce salto avant tendu. Il termine sa diagonale. Tempo et triple vrille. Le tempo, l'impulsion verticale et trois tours à grande vitesse. Très très belle acrobate, ça devrait faire une très belle note. On peut dire que la finale au sol démarre très fort.